Au démarrage, deux rotations du moteur sont nécessaires pour que la pompe haute pression fournisse à la rampe commune la pression minimale de 200 bars. Dès que le moteur est démarré, le calculateur contrôle en temps réel la distribution de carburant et la synchronisation de l'injection par le courant de commande des injecteurs. Le calculateur note la position du moteur par l'intermédiaire du capteur de points morts eau et de régime moteur, ainsi que du capteur de référence du cylindre. Il prend également en compte les indications des capteurs de position de la pédale d'accélérateur, de température d'eau, de température gazole, de haute pression gazole. D'autres capteurs peuvent être pris en compte pour permettre au calculateur de déterminer le débit à injecter. En se basant sur les caractéristiques de l'injecteur, le calculateur choisit dans sa cartographie le couple pression-volume qui lui permet d'obtenir le temps d'injection. Le calculateur possède également en mémoire la cartographie des pressions. Il modifie au fur et à mesure des besoins la haute pression par action sur le régulateur de pompe. Comme tout système électronique, il comporte un autodiagnostic qui se signale par un voyant d'alerte au combiné. Sur les diesels à injection directe classique, le bruit représente un des inconvénients. Le gazole introduit dans le cylindre ne s'enflamme pas immédiatement. C'est le délai d'inflammation. Une grosse quantité de gazole est déjà présente lorsque l'inflammation se produit, provoquant une montée soudaine de la pression et une forte élévation du bruit. Ce claquement est surtout perceptible à froid. Le système Common Rail permet d'écourter ce délai d'inflammation, donc d'élévation du bruit. Avec ce système, la commande des injecteurs étant indépendante et variable, plusieurs injections rapprochées au cours d'un cycle sur un même cylindre sont possibles. L'injection pilote, déclenchée avant l'injection principale, provoque le préconditionnement de la chambre de combustion sur les plans température et pression, ce qui permet de réduire le délai d'inflammation. La combustion devient plus douce et plus complète, et la montée en pression moins brutale, donc plus silencieuse. L'injection pilote est présente jusqu'à 3000 tours minute. Ces moteurs diesel de nouvelle génération, parmi les plus propres de leur catégorie, possèdent d'importantes capacités d'évolution à brève échéance.